Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble, eh bien, quelles sont les deux étapes pour atteindre la richesse? Quelles sont les deux étapes pour pouvoir atteindre la liberté financière, pour pouvoir, eh bien, se permettre de s'acheter ce que l'on veut? Il faut comprendre que avant de s'acheter ce que l'on veut, il faut, commencer à savoir exactement ce qu'on va faire pour accomplir ces choses. Donc, en deux étapes. La première étape, il faut vous commencer par, eh bien, trouver un job. Une fois que vous avez trouvé ce job, vous allez tout simplement devenir le meilleur à ce job. Et une fois que vous êtes devenu le meilleur à ce job, vous allez augmenter votre revenu, vous allez augmenter votre argent, vous allez investir. Donc 40%, utilisez la règle des 40%. Une fois que vous avez toutes vos dépenses, vous avez tous vos besoins primaires ont été satisfaits, vous allez eh bien, prendre ces 40% et les investir. Les investir dans quoi? Dans un véhicule qui vous permettra de créer des revenus passifs. Parce que les revenus actifs, c'est lorsque vous échangez votre temps contre de l'argent. Alors que les revenus passifs, c'est lorsque l'argent que vous mettez est à votre service et vous donne encore plus d'argent. Donc vous avez trouvé un véhicule qui va vous permettre d'avoir ça. Donc moi, c'est l'immobilier. Maintenant, c'est à vous. À vous de trouver ou à vous de poser la question, quel véhicule aujourd'hui peut m'aider à faire ça? L'immobilier peut le faire. Et pour moi, je pense que l'immobilier, c'est la meilleure chose pour devenir riche. Donc, deux étapes. Un, devenir le meilleur à son job, augmenter son revenu, augmenter son argent. Deuxièmement, investir 40% de son revenu dans des actifs qui vont prendre de la valeur au fil du temps et qui vont permettre d'avoir de l'argent, du cash flow tous les mois.